Yon la fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec équipe Bombard Media Nawlad et puis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jeudi à ce 1er juin 2020, lancement officiel saison cyclone dans l'océan Atlantique là. Nous allons vite écouter autorité yo ici en Haïti qui prend le dernier détail avec information sous saison cyclone là. Mais avant de faire ça, équipe Bombard Media Nawlad voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombard Media Nawlad pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans mon balo police et qui bombard média nou là nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous information nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec mon bad média nou et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification bombard média nou là. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo. On nous jeudi c'est lundi 1er juin 2020, lancement officiel saison cyclone nan pour arriver 30 novembre 2020. Nous connaissons saison cyclone yo pas qu'on en joue ensemble avec nous ici dans Haïti avec moun ka vive dans Caraïbes là et moun ka vive dans États-Unis autour. Jodi a nous pas l'invite au côté autorité locale yo pour parler dernière information sous préparation disposition qui pral prend pour commencement ou bien lancement saison cyclone nan ici dans Haïti. Ces informations ça on nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier ya. Distance, monsieur, distance. Permettez-moi. Ok, c'est bon. Okay. Merci. Entre le 1er juillet et le 30 novembre chaque année, c'est un cyclonique. En Haïti, attirer attention de la population sur le fait que nous avons une saison cyclone. C'est peut-être ça qu'il y a une activité officielle qui est faite pour annoncer la saison cyclone a commencé. Je vous dis, c'est le 1er juin 2020. Pour nous, c'est ce qui nous a donné 4 personnalités qui ont un bon état. On fait partie du système national de gestion de risque de désastre. Qui aspect politique, bah, communication, les grandes directives, les grandes lignes, et nous qui avons un niveau technique. Le niveau technique, sous un message, ça a gagné, qui est la saison à pied, on a un homme pour introduire un général météorologue, Esther Benastin, qui est le coordonnateur IHM, qui est le coordonnateur. Bonjour, bonjour Dr Chandler, Excellence M. le Premier ministre. C'est bien dit responsable, je veux dire c'est censé officiellement ouverture de la saison cyclonique 2020. Alors, avant même que nous entrions en matière de samedi après-midi, on peut rappeler pour tout le monde que l'UHM, c'est l'unité hydrométéorologique d'Haïti qui est censée servir de référent et expert pour conseiller le gouvernement, l'État et en ce qui concerne les informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Alors il faut dire que c'est aussi appuyé par l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, qui depuis des années fait des efforts énormes avec Haïti, avec l'État haïtien, dans laquelle mesure que Haïti est censé supposer au même rang que le pays caribéen en ce qui concerne les informations météorologiques, climatiques et hydrologiques. Alors, comme on a si bien dit tout à l'heure, il est censé que chaque année, du 1er juin au 30 novembre, c'est censé la période moyenne pour les cyclones tropicaux du bassin Sahara. Alors, bassin Sahara lui-même, il est censé gagner la donnée, lundi c'est la région 4, officiellement reconnue par l'Organisation Météorologique Mondiale. Et les Caraïbes, le
golfe du Mexique et l'océan Atlantique. Et nous connaissons Haïti, qui côté le placé, certainement, Haïti fait partie des pays des grandes Antilles. Alors, chaque année régulièrement, que gagner des consortiums d'assurance, des services météorologiques nationaux qui gagnent des centres universitaires qui font des recherches. Et recherche ça, ils sont censés miser sur statistiques climatologiques bassin. Pour dire que voilà le nombre de systèmes tropicaux qui sont susceptibles pour affecter bassin. Alors, c'est dans ce sens-là que normalement que tout consortium d'assurance SAIO et service météorologique SAIO, que je n'ai pas besoin de citer, ils mettent ensemble et que généralement c'est des prévisions qui sortent. Première prévision sortie à partir du mois de décembre, tout de suite après, fermeture officielle saison avant. Donc, à partir du mois d'avril, on gagne une deuxième prévision qui sortit. Alors, on va comme tout le monde dit que c'est les prévisions restent et demeurent des prévisions. On n'est pas capable de remplacer ça qui pourrait le passer normalement dans la réalité pour saison. Alors, comme je dis que saison 1, lui, normalement, alors ça m'appelle ban là, c'est un peu la moyenne de ça qui supposé passer. Gagner tout consortium d'assurance et les services météorologiques, si ma ban on décadre résultat là, donc montrer que Anessa, on a supposé gagner autour de 16. En moyenne 16 systèmes nommés, c'est-à-dire que légèrement au-dessus de la moyenne, parce que la moyenne c'est autour de 12 systèmes nommés, et environ 8 ouragans et 3 à 4 ouragans majeurs. Lundi ouragan majeur, ça veut dire que c'est ouragan de catégorie à partir de 3, 4, 5, sous échelle et de Saffir-Simpson. Alors maintenant, lorsque nous gagnons nos scénarios comme ça, alors ça c'est ce scénario que nous avons pour normalement qui sortit en décembre et avril. Maintenant, le scénario qui sont plus probable là, c'est le scénario que nous avons supposé gagner, qui fait que sortit là, qui sortit par l'Agence américaine pour l'administration des eaux et des océans, la NOAA, qui dit que nous avons supposé gagner une année qui est vraiment active autour de 13 à 19 systèmes nommés et éventuellement en moyenne 12 ouragans et éventuellement 3 à 6 ouragans majeurs. Alors pour qui ça que, donc nous sommes capables de remarquer que, nous voyons que comparativement avec tant d'autres Samson dit tout à l'heure là, donc la NOAA lui-même limise sous ensemble de statistiques climatologiques bassin, hein? Limise aussi sous ça, la température de la surface de la mer, que vous remarquez que d'après les statistiques qui t'a supposé généralement un peu grimper, donc qui dit température de la surface de la mer augmenter parce que donc on est un paramètre extrêmement important pour permettre qu'un cyclone prenne naissance, il faut que la température de la mer atteigne les 26-27 degrés sur les 60 à 100 premiers mètres de profondeur. Donc ça c'est paramètre extrêmement important qui vous permet qu'un cyclone prenne naissance. Alors maintenant, d'après la NOAA, il va falloir que nous gagnions en année qui active. Alors, année active ça, donc autour de 13 à 19 systèmes nommés, autour de 12 systèmes en moyenne comme ouragan, et puis 3 à 6 ouragans majeurs. Alors, maintenant, en fonction de qui ça? C'est en fonction de, normalement, comme on dit, les statistiques climatologiques, il y a un bagage aussi qui est aussi important, c'est comme on dit, c'est l'augmentation de la température de la mer. Et le troisième paramètre qui est aussi important, c'est les phénomènes tels que par exemple El Niño ou La Niña. Parce que
année ça, lorsque Outagen nous pas dans période El Niño, si El Niño censé normalement positif, automatiquement on t'a supposé gagner le système cyclonique qui pas trop actif. Alors que si nous gagnons la Niña, nous capables de gagner une saison cyclonique très active. Et à ça, on peut voir que nous t'a supposé la phase de la Niña. Donc tout ceci, c'est des prévisions, comme on dit. Donc les prévisions restent et demeurent des prévisions. Nous n'avons qu'à remplacer éventuellement ça que normalement, tous les jours, au niveau de l'IHM, que l'équipe de l'IHM est en train de préparer au jour le jour, presque 18 heures de temps par jour, qu'on fait la surveillance et des eaux territoriales autour d'Haïti et éventuellement de Sous-Océan Atlantique là. Alors maintenant, ça qui vient de passer, c'est que, pour finir, on t'a aimé, dit que, nous sommes dit tout à l'heure, que saison 1, que l'active, que moyennement active, que superactive, l'essentiel, c'est que nous supposons préparer. Préparer de par, nous connaissons que, le changement climatique, qui certainement, vous pouvez le coupler avec les effets environnementaux que nous-mêmes que nous gagnons en Haïti, comme sécheresse, comme quelques convections, comme par exemple jeudi qui passait, par suite de l'anomalie dynamique dont on propose, qui permettent que nous gagnons environ sous pleine quoi de bouquet, sous pleine du cul-de-sac, environ 85 mm la pluie. Donc ça veut dire que nous cagons une situation ça à n'importe quel moment, mais maintenant, c'est pas ou pas. On rentre dans le cadre pluie normal, mais tout, il n'y a pas rentré dans le cadre cyclone, mais pas oublier que nous sommes en période cyclone, qui c'est officiellement du 1er juin au 30 novembre, donc maintenant c'est en conséquence, c'est pareil pour Mbaye. Merci. Merci, ingénieur, c'est pareil pour Mbaye, c'est peut-être ça tout. Anessa, thème. C'est ce que nous avons dit, on ne parle plus plus. Pour bien ce que nous avons dit, ce n'est pas l'HM qui c'est notre instance dans l'État. Nous avons introduit le docteur Dieu Chandler, sous-président, qui est même directeur de la protection civile. Merci, secrétaire d'État. On dit bonjour, Excellence PM. Bonjour, ministre de l'Intérieur. Bonjour, coordinateur IHM. On dit bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Je nous connais, je dis à ce 1er juin, nous avons amené comme chaque année, justement, ouverture saison cyclonique dans la région. Et je coordonnateur IHM, nous dit là déjà, c'est que nous avons un résumé de qui ça pour attendre pour année ça. Donc la bonne saison qui est relativement très active avec plusieurs phénomènes, avec un peu de phénomènes et dont plusieurs là-dedans qui sont capables avec grande intensité. Et nous sommes capables de tout que nous faisons fait préparation par rapport à la saison ça, dans un contexte qui est particulier, avec une grosse vulnérabilité et avec une situation qui est compliquée avec la pandémie COVID-19. Là. Donc de manière générale, qui ça veut dire? Ça veut dire que justement, nous connaissons que pendant la période, il y a des possibilités que capable de gagner justement ce que nous avons frappé nous, capable de des gros ouragans à la catégorie 3, 4 ou 5, je crois dans la tension de nous, qui a un gros vent qui est supérieur à 240 km avec un peu de la pluie. Mais nous pas oublier non plus tout, notre menace qui peut dire sous tête nous, concours, problème de terre, même je nous ai gagné samedi dernier dans la zone nord, avec un problème de avec magnitude 4.6, 4.7 à peu près. Et donc ça c'est encore une menace qui a toujours été qui là et qui est permanent et que nous sommes toujours obligés pour nous compte. Et je me dis, avec toute l'autre menace qui est capable de vivre, qu'un coup, justement, inondation, démolition de terre et l'autre danger qui est capable d'exposer qui est capable d'exposer la population. Donc nous faisons ça, direction de protection civile, avec appui et leadership ministère intérieur, nous prenons quelques qui concerne directement la gestion de sa désastre, nous engageons
activité préparation depuis justement fin saison cyclonique année passée. Donc depuis là, ça justement nous avons pris un ensemble d'initiatives, okay, pour nous capables d'adresser justement éventuelle situation des gens qui ont présenté dans le pays à n'importe qui moment. Mais aujourd'hui, il faut nous clair que les préparations ont été interférées avec justement le commencement et crise de Covid, nous connaissons, et justement nous sommes obligés de travailler sur tous les deux plans en même temps. Mais en même temps, mais quand même, ça va empêcher que nous travaillions avec toute institution qui a un mandat pour le travail dans la gestion de ça des as et qui peut aider nous justement d'abord en préparation. Donc ça, on est capable de prendre un autre exemple qui peut frapper, c'est travaux publics qui interviennent dans le département Nord-Est, dans le nettoyage avec gabonnage qui fait une grosse partie de la grande rivière du Nord. Donc, opération Sahel, justement, type d'opération Sahel pour continuer, pour intensifier, et le temps que justement, pour nous capables, le temps que nous arrivons dans cette partie active, saison cyclonique. En même temps, nous travaillons tout pile avec l'unité de météo pour que nous soyons capables d'intensifier la surveillance. Donc, travaille plus sur mécanismes, avec méthodes, avec outils que spécialistes bien pour faire pour garder ça pour arriver en façon pour nous-mêmes nous arrêter ces populations au moment où il faut par rapport à l'événement hydrométéorologie. Donc nous connaissons que alerte qui est efficace, capable de sauver la vie et capable de réduire la quantité blessée avec l'impact que une catastrophe capable de gagner. Donc nous insistons un peu sur ça pour que justement notre système alerte précaution soit capable justement beaucoup plus renforcé. En plus de ça, nous travaillons plutôt sur communication avec le public. Nous avons tout un plan de communication d'ailleurs qui a commencé aujourd'hui et qui est spécifique à la saison cyclonique et qui prend en compte tout et paramètre tout qui est capable de gagner par rapport à COVID-19. Là. Donc là, aujourd'hui, nous avançons un pile avec différentes actions. Nous travaillons tout de manière pratique avec l'équipe terrain en façon pour nous capables de renforcer les outils, les matériels pour nous capables de faire intervention. Et dans ce sens, on a profité de plateformes pour nous donner beaucoup de chapeau. Toutes les gardes de volonté pour l'action civile qui étaient mobilisées qui toujours été mobilisées depuis le début de la COVID là, aujourd'hui, et qui ont été actifs et mobilisés pendant ces jours cycloniques pour quelque chose que tu as présenté pour être capable de camper à côté peuple pour justement accompagner la situation difficile que les capables. Je veux vous dire, il y a une pile mobilisation et effort qui fait justement au niveau du ministère intérieur, collectivité territoriale, pour mettre aux ressources à disposition, ressources que justement le gouvernement a mobilisé pour mettre à disposition. Nous avons tout le travail tout que nous faisons pour mettre à disposition de ressources, beaucoup de partenaires nous, en façon pour nous capables de continuer avec le travail préparation en attendant que nous avons une situation et travail réponse que éventuellement nous avons pour nous faire si nous avons une situation. Et un point extrêmement important que nous avons adressé, c'est le point qui concerne l'abri provisoire, que nous connaissons qui est très sensible. Je vais aller ça. Question de provisoire, nous prenons très à cœur parce que la capacité de réception en dans les provisoires a diminué du fait que, à cause du fait de problèmes qu'on a vu, donc quantité de monde qu'on a gagné dans chaque abri, nous sommes obligés de diminuer, donc nous obligés de prendre ça en compte et nous obligés de tout changer protocole gestion avec protocole fonctionnement à les provisoires. D'ailleurs, on a annoncé que le gouvernement a fait effort justement à travers le ministère intérieur pour que justement il y ait une mise à disposition de masques additionnels faits pour que nous puissions prépositionner nos départements au cas où nous avons pour nous tirer à bruit. Même j'en tout, nous avons organisé pour nous capables de gagner les réserves, ça nous a mis les réserves tout, et outils que nous avons besoin pour faire nettoyage, point d'eau. Donc point d'eau avec justement tout intrant, de l'eau, savon, etc. Et on gros travail tout qu'a fait par rapport à éducation de population, non, sans ça, si pour nous déplacer pour aller dans l'abri, pour nous capables de faire lui, sans que déplacement à l'abri n'a pas tourné en source de contamination, en autre source de contamination par rapport au coronavirus. Là. Et dans ce sens, justement, nous avons fait un gros appel à la solidarité communautaire, en façon pour une qui aider l'autre et une qui protéger l'autre, pour que justement toute opération soit capable de faire en sécurité. Donc, ensuite, ça que nous dit, qui est important que vous devez justement retenu par rapport à la préparation de saison cyclonique là, c'est le fait que une fois de plus, toute la protection civile, depuis notre plus gros niveau, donc je nous vois là, je veux dire, le premier ministre avec nous, le ministre intérieur avec nous, et toute coordination départementale, tout mobilisé, tout comité communautaire.
département de protection civile qui des brigades volontaires là-dedans, vous mobilisez tout, nous tout nous comptons qu'on au seul homme, si tu as gagné en situation d'urgence qui t'a présenté pendant la saison, pour nous capables justement, toujours comme d'habitude, camper beaucoup de population et d'avoir appui que vous besoin. Je vais rappeler que justement le thème que nous avons pour Anissa, c'est on continue par une justement, et nous supporter l'autre pour justement une préparation ça capable optimale. Donc, je dis merci pour l'attention et je vais éventuellement pour nous rencontrer encore pendant la saison si tu as une situation d'urgence. Merci. Merci, docteur Chablais. Nous avons période d'épidémie. L'épidémie, c'est coronavirus, COVID-19, très certainement. Nous avons gagné pour nous garder aux relations qui existaient entre cyclone, inondation et puis et éventuelle propagation pandémie qui est relation qui existait entre eux. Mettez ressources disponibles pour CIPC, mettez ressources disponibles pour le système de communication gouvernemental capable de parler avec la population. Ministre de la collectivité territoriale là, c'est un gros maillon dans la chaîne ça. La chaîne pour faire intervention concernant ces zones cyclones là. Le ministère avec nous là, il doit partager avec la population les grandes directives gouvernementales dans le cadre gestion période ça, tout ça qui gagne la donne. Monsieur le ministre, au défis Bernadel, je me demande de vous introduire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Madame la directrice du cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur de la protection civile, Monsieur le coordonnateur de l'UHM, Madame, Monsieur, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, aujourd'hui, 1er juin, nous sommes réunis pour procéder au lancement officiel de la saison cyclonique 2020. Les saisons 2018 et 2019 nous ont été clémentes. Mais cette année, en plus d'avoir une activité cyclonique intense, avec plus d'une quinzaine de phénomènes nommés, le pays fera face à une situation particulière. Ce qui risque de nous compliquer la vie, parce que la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus connu sous le label COVID-19 est un combat de tous les instants pour le pays. Hier, un séisme de magnitude 4.7 a fait trembler le Grand Nord, Haïti. Tout notre pays, parce que la catastrophe de ce type, telle le tremblement de terre du 12 janvier 2010, nous ont déjà déstabilisés en tant que peuple. Les pertes en vie humaine, infrastructurelles et économiques ont été énormes. Au niveau du système national de gestion des risques et des désastres, nous avons beaucoup appris de la gestion de ces événements adverses et nous voulons, cette année, améliorer nos capacités de les différentes composantes de la protection civile. Nous sommes sur tous les fronts pour construire des plans et action pour une gestion concertée de la sécurité civile. Il est nécessaire de souligner en ce jour que les brigadiers volontaires de la protection civile et toutes les entités centrales, départementales et locales du système national de gestion de risques et de désastres sont déjà à pied d'œuvre aux côtés des représentations centrales
et départementale du ministère de la Santé publique et de la population dans le cadre de la réponse à fournir par rapport à la pandémie COVID-19. Donc, la mobilisation étant déjà en cours, nous la maintiendrons pendant la saison cyclonique qui débute officiellement aujourd'hui. Depuis notre arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, nous nous attelons à la tâche qui nous a été confiée conformément à la feuille de route transmise par le Premier ministre qui préside le Comité national de gestion de risques et de désastres, CNGRD, sous la directive du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. En ce sens, nous avons eu de multiples réunions, ateliers, formations avec les responsables de la collectivité, délégués, vice-délégués, maires, CASEC, ASEC, délégués de ville. Nous sommes en train de travailler sur le renforcement des structures de la production civile, notamment par la distribution des matériels roulants et de nouvelles technologies à nos représentations au niveau départemental. Le renforcement et la formation des structures communales à l'échelle nationale. Du point de vue stratégique, nous nous engageons pour continuer le plaidoyer pour la finalisation du processus de validation du cadre légal du système national de gestion des risques et des AS et du plan national. Deux outils qui nous permettront de consolider la fondation de la protection civile. Nous allons continuer à encourager les actions de mitigation implémentées par les ministères sectoriels afin d'aider à construire à la résilience des régions vulnérables. Nous saurions passer sous silence la collaboration de nos partenaires techniques et financiers qui restent fermes à nos côtés dans les bons et mauvais temps. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le MCT, continuera à encourager et à appuyer le rôle de coordination de la direction de la protection civile par rapport aux actions de ses partenaires, tant dans la mitigation que dans la réponse. Le thème retenu pour cette saison, en préparant plus puissent toujours, c'est-à-dire préparons-nous davantage, nous invite à poursuivre une quête de mise en place de structures prêtes, des brigadiers volontaires qui constituent l'épine dorsale du SNGRD, Système National de Gestion des Risques et des Désastres, nos comités de protection civile communale, nos agents et nos techniciens sont mobilisés, dotés de courage et d'une ténacité exemplaire. Nous voulons saluer ici leur disponibilité et sens civique. En effet, leur présence non équivoque depuis le début de la lutte contre la COVID-19, tant par les actions de sensibilisation que dans les actions ponctuelles de distribution de masques et de produits d'appui social en collaboration avec le FAES, témoignent de leur implication à fond dans la mobilisation suscitée par la préparation de la réponse au désastre. Nous voulons les rassurer de notre engagement à travailler de l'amélioration du cadre du volontariat. Nous profitons pour inviter les secteurs et partenaires locaux et internationaux qui travaillent avec nous au fonctionnement du système national de gestion des risques et des désastres, à continuer à se rappeler de nous, de sorte à contribuer au renforcement de la protection civile haïtienne. Nous les remercions de leur grande obligation dans les activités de libération de cette saison cyclonique,
laquelle, nous espérons, nous sera clémente. Les risques nous imposent de capitaliser sur les bonnes pratiques et de nous engager plus fort avec, et avec intelligence pour la sécurité, tout en appelant à tous les secteurs de la vie nationale. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ainsi que toutes les structures gouvernementales, continueront à mettre en commun leurs efforts pour prévenir efficacement les catastrophes et les combattre chaque fois qu'elles surviennent. Merci de votre attention. Ces cyclones arrivés, c'est pareil pour nous parler. Le ministre intérieur là, ma directive, il m'a appelé attitude de gagner. C'est l'État qui peut faire, responsabilité que l'État prend. La qualité que lui-même a gagné comme président, système national de gestion des risques et des désastres là, premier ministre là avec nous là. C'est pour ça que nous voulons introduire maintenant. Nous venons parler avec la population haïtienne, dans le moment, nous avons lancé officiellement ce cyclone qui commence le 1er juin pour arriver le 30 novembre. Monsieur le Premier ministre. Ministre de l'Intérieur, directrice de cabinet. Coordonnateur PHM, coordonnateur de mes directeurs de protection civile, mesdames, messieurs, les membres du secrétariat permanent de la gestion des risques et désastres, jeudi à 1er juin, limaqué officiellement commencement saison cyclonique 2020. C'est une saison qui, Jean directeur de PCA annonce, qui est plus difficile et qui est actif tout. Actif, ça veut dire quantité cyclone, quantité ouagan, quantité mauvais temps que nous sommes capables de gagner dans un contexte sanitaire qui est extrêmement difficile. Je nous connais, nous avons gommé avec COVID-19. Si c'est nous qui avons choisi, nous avons demandé pour nous passer en l'autre là. Mais malheureusement, nous n'avons pas de contrôle ça. On dit toujours que la nature nous fait toujours bien les choses. Mais dans le cas ça, on a demandé est-ce que c'est qu'on y a pour la nature qui a eu COVID-19 et puis pour nous doubler avec saison cyclonique. Dans la discussion que nous gagnons souvent avec le président de la République, nous, et encore matin, là, nous avons parlé trois fois déjà. Tête nous tous les deux chauds, tant coup venant. Parce que nous déjà gommé avec COVID-19. Côté en pile, nous c'est Saint-Thomas, il n'y a pas quoi. Bon, en pile, nous commençons à mourir. Nous gardons dans deux semaines, on a franchi la barre de 2000 victimes de COVID-19. Et puis pour aujourd'hui, pour nous lancer officiellement une saison cyclonique qui, selon toute prévision, a méchant en pile envers nous. Mais si nous continuons à faire prévention, Jean, directeur protection civile l'a dit, ministre intérieur a dit, coordonnateur IHM l'a dit, nous qu'à
nous sorti avec moins victimes, moins de casse. Ça veut dire, nous, non, président de la République, là, m'a demandé nous pour nous continuer à prendre en pile précaution. Nous besoin de faire en pile prudence pendant la protéger tête nous contre COVID-19. Mais pendant tout, nous attendons que la saison cyclonique, là, que la nature fâchée encore. Ce n'est pas nous qui choisissons, je me dis, si c'est ça que nous avons choisi, ce n'est pas ça que nous avons choisi. Mais on va rappeler nous tout que le pays d'Haïti est placé sous route en pile événement climatique. Ça, ça a géré les changements climatiques là. Haïti, c'est le troisième pays qui est plus faible, qui est plus vulnérable. Ça veut dire, chaque fois Bab Kamara nous prend du fait, pour même, il faut qu'on mette pas à la trempe. Moi, je suis ministre de l'environnement, moi, je connais dans quel état le pays a dégradé. Il y a plusieurs types de catastrophes. Il y a ces catastrophes naturelles, il y a ces maladies qui tombent sous nous, tant que COVID-19. Mais il y a toutes ces catastrophes que les hommes créent. Par exemple, nous couper pied-bois en pile. Des fois, c'est problème grand goût. C'est précarité. Ce n'est pas des corps qui font couper. Mais des fois, tout, nous mettons du feu dans la fournée pour chercher de terre pour le travail. Parce que chaque l'on finit de travailler sous terre. Inondation venue, mauvais temps venu. Il prend toute crème terre à côté de l'homme. Mais il y a des retours, nous coupons les bois. Yo. Soit parce que nous fâchons, nous prenons bloquer la route, nous détruisons les fruitiers, nous détruisons les forestiers. Ça vient de mettre le pays encore dans une situation qui n'est pas bon. Mode de comportement ça yo, il pas faire l'autre bagaille que accentuer les problèmes socio-économiques dans le pays. La plein manger cher, le tout pays de manger vendre bon marché yo, le travail yo travail. Il pas craser la nature, il pas fouiller rivière ou gens pas de fouiller, il pas craser mon yo. Il ne pas mettre du feu dans le pied bois. Il ne pas couper non plus, le yo fâché. Là, nos pays aussi vulnérables que le pays d'Haïti, tout bagaille urgent. Moi-même, je regarde tout effort que le gouvernement a fait sous leadership président de la République là, pour nettoyer le canal. Pour installer pont, pour labourer terre, pour chercher semences pour planter. Mais, il faut ça, il n'y a pas qu'à assez, parce que son pays a pile problème l'argent. Tout le monde a cherché l'argent, mais ça a gagné, il n'y a pas qu'à satisfaire tout le monde. C'est pour ça, m'a manifesté intérêt moi pour supporter la direction protection civile là qui travaille sous l'égide du ministère de l'Intérieur pour continuer à renforcer la résilience nous travail pour curer le canal travail pour nous protéger tête monio travail pour nous protéger la population. Directeur de protection civile là parle même souvent sous travail que nous supposons faire dans la rivière. Non seulement pour nous faire du travail capable sur l'économie du pays, par exemple, ben nous travaillons dans construire mur sec, faire gabion, faire mur de contour, protéger mon lieu, pendant que nous avons profité de diminuer et résoudre problème
vulnérabilité que le pays a gagné. C'est pour ça, Jean-Ministre intérieur a sorti Feli, Jean-Directeur protection civile a sorti Fel, Jean-Coordinateur IHM a sorti Feli. M'a dit merci à toute délégation dans le pays, à toute vice-déléguée, à magistrat, à Kazek, à Azek, qui pas jamais ménagé effort à force que ils ont obligé de déployer pour soutenir la population dans la situation difficile que nous tous nous dans le pays. Nous connaissons en pile gros zone qui est victime de maladie. Nous connaissons en pile pauvre tout qui est victime. Nous avons perdu en pile amis inondation plein. À la veille, pour la machine, pour la caille. Tout comme grand pile, monde tout dans la population qui n'a pas possédé rien. À tout ça, si ça a été possédé, il a perdu. Ça veut dire, nous supposons commencer à réfléchir l'autre gens dans le pays. Faut que nous suspendions, craser ça, nous gagner. Que ce soit nous chercher à manger, ou bien le nous fâcher avec un président ou bien un premier ministre ou bien un ministre. Mais il faut que nous continuions à construire plutôt. On attend nous sur point ça. Ou bien d'avoir le même parce que nous trois roues, ou bien nous trois coûtes, ou bien nous trois noirs, ou bien un cheveu aussi, ou bien une graine. Mais il faut qu'on vive à Haïti chaque jour. Et ou obligé de travailler avec nous, même si nous parlons même. Travailler avec le ministre intérieur pour qu'il parle de femme tête lui, c'est droit. C'est pas péché, ça y est. Mais il faut que nous entendions. Pour nous travailler, pour nous mettre Haïti sous deux pieds. Si Haïti est bon, nous tout est bon. Je parle avec nous tous sur précaution que nous supposons continuer à prendre. Cyclone non sont prévision. Ces cycloniques là ont pile prévision la bonne. Nous qui savons, nous deux maintenant, nous disons, il faut que nous préparions plus bien. C'est tellement année ça. Mais c'est chaque jour pour nous préparer plus bien. Mais l'homme qui t'a regardé problème pays d'Haïti gagné avec tout indicateur qui est rouge, je suppose sous deux pieds militaires, tout le temps net. Ce n'est pas chaque premier jour seulement pour nous annoncer saison cyclonique parce que devant la vulnérabilité du pays, son service qui supposait toujours là, toujours actif pour nous construire capacité pour nous résister à tout phénomène qui est venu sur le pays d'Haïti. C'est pour ça, moi-même avec tout gouvernement que nous avons honneur dirigeant, nous concentrons sur ça. Nous concentrons pour lutter contre la maladie, nous concentrons pour lutter contre ces cycloniques là, mais nous concentrons tout sur réhabiliter le pays. Si nous réhabilitons le pays, la réhabilité l'homme haïtien. Tout le monde a bien mangé pour manger. Tout le monde a bien de l'eau pour boire, de l'eau propre. Tout le monde a qu'à payer pour mener petit sur l'école. Mais encore, on m'a dit que son travail tête ensemble. Il faut accepter de vivre ensemble. Parce que le moment est extrêmement difficile. Pour être capable de fâcher avec un frère. Mais si le gars la Kali, ou quand vous parlez de mariage, ou pas parlez de baptême, ou pas parlez de fête, mais le gars mort, il faut solidaire. Et c'est solidarité ça que m'a demandé tout citoyen. Parce que si ça nous chaque possédé, nous pitié. Nous ne pas posséder assez.
ministre intérieur n'a pas procédé assez. Coordonnateur IHM, qui n'a pas grand pile. Directeur de protection civile là non plus, il n'a pas grand pile, mais là nous mettons tout ensemble. Nous avons fait un pile miracle. Grand pile compétence, c'est ça. Pour nous mettre tête ensemble, parce que c'est pourquoi je fais appel sans comme témoignage, comme solidarité que nous cabaillons. Pour nous élever défi ça qui campait devant. J'en profite pour remercier nos partenaires techniques et financiers qui s'investissent souvent dans la lutte contre le changement climatique, contre les désastres naturels, même si le nous choisit quasi pays nous, mais pas ça va occuper nous. Parce que c'est un choix délibéré que nous faisons pour nous causer. À ce moment-là, il va même voir nous. Mais il y a bien raison. Parce que si on crase son procédé déjà, comment voulez-vous même pour y apprendre les maigres ressources de leur pays? Il n'y a pas même genre avec nous en Haïti, pas de rapport pour nous bailler contribuables. Ou même il y a un rapport pour nous bailler contribuables dans le pays. Regardez le recours de son argent pour Haïti, il dit, mais il y a crasé toute la journée. On va pas demander de malheur de yo à le construire ça yo quoi. Si on a gardé tout ça, nous casé déjà, on est tout capable de garder. Toutes les zones sont capables de garder. Et les catastrophes naturelles, ils sont toujours là, à nos côtés, pour nous aider à remonter la pente. Les dégâts que les hommes font dans le pays, il y a tellement en pile, on a besoin en pile de temps. Ou besoin en pile concertation, ou besoin en pile l'argent. L'argent, il faut qu'on ait temps pour compter, pour reconstruire tout ça, nous craser déjà, tout ça, la nature, craser déjà. C'est pour ça, nous-mêmes, maintenant, pour nous venir, toutes nos lettres, mettez-nous ensemble. C'est un appel à la solidarité agissante. Qui te fait que nous te fait 1804 ans là, nous fait 86. Et je dis à ma pour nous mettre tête ensemble, pour nous mieux préparer. Pour nous préparer tête nous plus bien, pour nous lutter contre catastrophe naturelle ça, qui est venu pour venir mettre ses sous clous. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous vivre ensemble, pour nous reconstruire le pays nous. Une situation extrêmement compliquée. Merci un peu. Merci, Monsieur le Premier ministre, président système national gestion risque en désastre, changeant de paradigme pour que nous payions en notre route, rappel à la solidarité pour mieux se préparer. C'est ça pour le ministre Adil. Mettez tout ça nous gagner ensemble, connaissance nous, compétence nous, énergie nous, petit moyen nous gagner pour que nous fassions notre bagaille avec le pays. Si nous sommes cyclones, nous y sommes, c'est pas pour nous barrer. Haïti sous le cyclone, Haïti traversé par des plaques tectoniques, nous avons aujourd'hui dit à nous, Seigneur, tout le monde, nous avons dit à frapper pour nous mettre ensemble, pour nous capables de sauver des vies. Nous mettons ensemble, nous sommes capables de sauver des vies. Les catastrophes sont bien réelles, la maladie est réelle tout. Merci Monsieur le Premier ministre, merci Monsieur le ministre, Monsieur le directeur, Monsieur le coordonnateur. C'est un plaisir pour nous ensemble de lancer l'activité qui gagne une 4 saisons cyclonales qui est sorti 1er juin pour arriver 30 novembre entre 12 et 16, c'est ça. Et c'est une cyclone capable de frapper le pays. C'est le message direct là. En 12 à 16 cyclones capables de frapper le pays, il y a des qui sont gros, qui sont petits, donc une terminologie, des ouragans, des tempêtes tropicales, suivant le niveau. Inhabitué pour la DAO. On y prépare. Nous avons, et à bientôt. Pas oublier, une saison cyclone, il y a comme là. Merci. Merci.
Voilà. Et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oups!